Yo les gars, c'est Sagdi et aujourd'hui les gars, on s'enjaille beaucoup, on jette des arbalètes un peu partout. Et donc aujourd'hui du coup c'est avec un très grand plaisir, mais vraiment les gars, de vous proposer un gameplay avec cette arme, l'arbalète. Donc la NX Shadow, oula, je vais m'éloigner parce que... Donc la NX Shadow, donc ce n'est pas mon compte, hein, vous avez pu le voir. Même si j'ai pas fait de kill, j'ai fait que mourir, voilà, un kill. C'est le compte de ma copine, donc Lucille, donc qui m'a gentiment prêté son compte pour la vidéo. Et puis tout simplement m'amuser aussi un peu avec cette arme. Et franchement, on s'y amuse, même si par moment c'est assez rageant. Franchement, je vais faire le noob par moment. Parce qu'en vrai, je voulais faire le mec, tu sais, depuis tard, ça fait, je sais pas, plus d'une heure, j'essaie de faire le mec, à faire juste un kill, tu sais, enfin, faire ça proprement, mais. Clairement, il y a des moments où ça passe pas, t'as clairement envie de buter le bonhomme, hein, je te le dis, hein, franchement, c'est bon quoi. Donc du coup, cette NX Shadow, hein, eh ben oui, hein, je l'ai pas sur mon compte principal, parce que tout simplement, ils ont l'idée de... Putain, mais décidément, ils ont eu l'idée tout simplement de la mettre que sur le marché noir, évidemment. Donc tu as tout ça gratuitement, hein, si tu veux des clés de cryptage, mais bon, hein, je veux dire, il te faut à peu près, je sais pas, plus d'une heure de jeu pour avoir 30 clés de cryptage. Oula, c'était horrible ce que j'ai fait. Plus de 30 clés de cryptage, donc bon, ça va quoi. Surtout que là j'en avais 1080 et quelques, même 1800 que j'avais gardé. Là il y avait 5 nouvelles armes, j'ai absolument rien eu. En fait, tu te dis, bon, les gars, vous foutez un peu de notre gueule, vous voulez vraiment en fait qu'on achète vos putains de packs de merde là qui ne servent strictement à rien. Mettez-nous directement l'arme à acheter, et puis voilà, ceux qui sont intéressés l'achèteront, et puis basta. Mais franchement, c'est. Je vais pas m'énerver, mais c'est vraiment des salopes, hein. Franchement, y a pas d'autre mot là. Niveau pognon, ça va les gars. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est les jeux vidéo. Et ils avaient envie de faire toujours plus. Call of Duty aime bien toujours faire plus dans la vue, etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça et pas autrement. Donc je peux quand même jouer, donc je vais pas me plaindre avec cette arme. Donc ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai qu'elle est vraiment différente que de toutes les arbalètes qu'on a connues sur les Call of. Donc Black Ops 2. Il n'y a pas d'ennemis là ? Black Ops 2 et Black Ops 1, oui, aussi. Enfin, les Black Ops, simplement. Et donc, en fait, tout simplement, quand tu tirais dessus, en fait, il y avait un petit délai. Et juste après, elle explosait. Oh. Oh, je suis pourri. Oh, je suis vraiment pourri avec cette arme adorée, hein. Oh! Trop bon! Le mec se contredit, tu sais. Mais, ah! Mais c'est vrai qu'elle est vraiment compliquée à gérer. Et je suis un peu déçu du coup, parce que j'adore le système du fait qu'un one shot ça tue, tu vois, il n'y a pas besoin d'attendre l'explosion ou... Oh là là, merde, ou je ne sais quoi. Et c'est dommage, je me suis dit, tu sais, comme couteau balistique qu'on a sur Black Ops 2, et donc aussi Black Ops 1, donc j'espère qu'à mon avis on l'aura sur Black Ops 3. Mais ce que je veux dire, c'est que... comment dire? C'est que, bah en fait c'est tout simple, c'est qu'on peut pas faire de headshot avec, tu peux viser la tête de la personne, ça mettra juste le logo dans la fille de l'arbalète qui est assez dégueulasse, hein, pour le coup, mais bon, on s'en fout, tu vois, c'est comme petit détail, mais c'est vraiment dommage que ça le fasse, enfin que ça mette pas un headshot dans la fille, tu vois, quand tu lui tires dans la tête, parce que franchement ça m'aurait vraiment fait triper, et ça aurait été sympa vu que c'est une arme secondaire en fait, la NX Shadow, tu sais, tu mets le sniper en arme principale et après tu mets l'arbalète. Et comme ça, tu fais deux headshots au sniper et le troisième, tu vas le chercher avec l'arbalète. Ça ne serait pas ultime, sans déconner. Alors, toi, t'as eu la chance, tu me dis même pas merci, quoi. Ah ! Oh putain, et vraiment, par moment, c'est vraiment très galère. Hein. Et par contre, j'ai pas encore mis de quoi de feed avec. J'aimerais tellement qu'elle ait un petit clip avec. T'imagines, là, ce serait kiffant. Et pareil, il y aurait eu des headshots. T'imagines, quoi de feed headshot à l'arbalète ? Voilà, le film. Bon, là, je suis dans un film de cul, hein. Clairement. Là, je joue pas à Call of. Je pense à un film de cul tout en jouant. À l'arbalète, mais bon. Putain, j'avais un beau ratio positif et là ils me l'ont fait descendre. Je commençais même pas à dire n'importe quoi. Attends, on va essayer de se concentrer. Ah putain, mais ils sont. C'est comme le robot là, tu vois là, le robot dans la file là. Regarde comment il est. Regarde quand il y a un kit du robot et tu vas voir à quoi ça te fait penser. Je crois que c'est Lucide qui me l'avait dit d'ailleurs. Il dit regarde la feed. Mais le robot ne fait aucun kill, donc c'est fantastique, hein. Je peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Allez là, putain, j'aimerais bien faire quelques kills quand même. Un peu plus de kills. Ah mais putain, si vous tuez mes alliés. Et le robot fait aucun kill quoi, mais pour le coup, genre vraiment aucun quoi. Alors quand il est contre. Ah déjà. Ah 10-18, bof bof. Déjà quand il est contre moi, il fait plein de kills. Bon, en gros, vous regarderez, ça fait la. Dans la file on dirait un poulet. Un poulet, non pas pourquoi, mais ça ressemble vraiment à un poulet, c'est vrai. Donc du coup
Voilà, c'était pour vous dire parce que c'est quand même, je trouve ça super important quand même. Et voilà, j'aimerais pas que vous passiez à côté de quelque chose, quoi. Donc, mouvement, qu'est-ce qu'on va faire? Putain, maintenant il y a de tout comme mouvement. J'avais pas vu, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre le. Enfin, bref, c'est scandaleux, quoi. J'ai vu comment j'avais débloqué un truc où tu fais un salto arrière, il y a le Upaka Nansai là, machin, enfin c'est. C'est Call of Duty 2016. Putain, et quand j'ai joué en 2010. Ah, en 2017. Je suis dans le turfu. Mais quand j'y jouais, genre en 2007, vers Code 4, même avant, sur Code 3, Code 2, tout ça, j'aurais jamais imaginé que ça tourne comme ça, Call of Duty. Hein, mais vraiment pas. Hein. On le dit déjà depuis Ghost, je crois. Ou Advanced Warfare, que c'est un peu bizarre. Mais... Tout ce qu'on peut voir avec Half, c'est de plus en plus bizarre maintenant. Tu peux jouer avec une batte de baseball, des points américains, enfin, un pied de biche qui a molette. Moi j'attends toujours le God Ceinture, hein. Moi, je trouve que ça serait vraiment l'invention sympa de Call of Duty. Mais on va y venir. Hein. 2016, qu'est-ce que ça va être en 2026? Si Call of Duty existe encore, s'ils nous font encore chier avec leur marché d'or, je pense pas que ça existera, mais. Mais bon. Allez, on va voter par entrée aléatoire. J'ai pas trop envie de faire Nuketown personnellement. Même si maintenant il est dispo pour tout le monde, donc c'est cool. Donc vous pouvez voir donc un arme secondaire. Donc là on va changer. Je vais mettre Bayonette dessus. Et je vais mettre... il faudrait que j'enlève un truc. Voilà, j'ai enlevé ça. Et je vais mettre un petit viseur. Alors celui-là, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je vais pas essayer. Mais je préfère le vélo. Je préfère rester sur une bonne base. Donc camouflage. Ben, là, j'ai fait quelques kills avec. Je crois que j'ai fait... Bon, je sais plus combien. Bref. Et c'est quoi les défis? 10 tirs de loin. Ouais, sans accessoires. Faire des sanguinaires. Ah non! Ah oui, d'accord, ok. Et après, ok, bon, classique, après, bah, on a ça. Et le Nuketown. Ça, c'est cool qu'ils aient mis le Nuketown, du coup, c'est vrai que les armes qu'on a dans le marché noir, du coup, on n'a pas de camouflage avec, à part les camouflages de base où il faut faire les défis. Et c'est vrai qu'avoir ce petit camouflage Nuketown fait plaisir, parce qu'il change, il est sympa, et au moins tu peux l'avoir sur n'importe quelle arme. Ça, c'est bien, je trouve ça sympa. Même avec la batte de baseball, il rend super bien, je trouve. Et oui, oui, je le dis, je le cache pas, je trouve ça sympa. Allez, donc là du coup je me suis équipé de la baïonnette et de l'élo. Donc la baïonnette qui permet tout simplement de faire un coup de cut super fast avec l'arbalète. Ça c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment un petit accessoire qui est assez cool. Bon, je vous avouerai qu'à chaque fois que j'ai joué j'oublie à chaque fois de le faire. Mais il faudrait que j'y pense là, on va essayer de faire quelques kills avec là. Vous pouvez voir c'est bien quoi. D'ailleurs c'est mieux que les coups de poing où il faut mettre deux coups etc là franchement. Non franchement c'est propre. C'est propre, j'aime bien l'idée. Ils ont quand même des bonnes idées sur Call of, y'a pas à dire, mais bon, la façon qu'ils font... Oh là là! Oh non! Eh mais moi je voulais mettre une quad feed et je me suis dit, ça y est, je vais rentrer dans le spawn. Ouh, je crois qu'on est parti pour un massacre, les gars. Je veux pas dire, je veux pas essayer, mais je crois que je vais les soulever sur cette partie. Ah! Non, non, je me casse, laisse-moi. Oh là là! En fait, ça fait comme une sorte d'arme, quoi, au final. Une arme qui one-shot, quoi, tout simplement. Allez, j'aimerais bien tuer un gars à la baïonnette, là. Oh, bah d'accord, là, je l'ai pas eu. Ah! Ah, putain, dommage. En plus, là, j'ai tout. Imagine, je fais une quad feed avec Clickorcher, un tomahawk et deux coups d'arbalète. Ça serait pas épique. Ah, oh, putain, je voulais le faire, je voulais activer Clickorcher. Imagine, je le mets en live. T'imagines le truc de malade, mon gars? Ça serait énorme. Merde. Allez, venez là. Je sais que vous êtes là. Oh là là. Oh merde. Putain, j'ai pas assez anticipé quand même là pour le coup. Allez, tire de loin. Enfin, est-ce que ça compte de tirer de loin là? Ah merde. On ne le saura jamais. Mais c'est pas vrai! Mais tu vois, par moment c'est. Oh là là. Bon après, enfin. Je sais pas, là j'étais dans une mauvaise posture ou je ne sais quoi. Ah là là, mais qu'est-ce que vous restez dans votre spawn, les gars? Vous faites violer, c'est tout. Bon, là, il a pas pris, ok. Ah! Ah oui, le bruit que ça fait, on dirait un coup de... C'est exactement... Exactement le même bruit quand on tue quelqu'un avec... avec l'épée... merde, l'épée, quoi, tout simplement. Chant de la fureur. Un truc comme ça, là. Ils ont vraiment des noms bizarres. Le champ de la fureur, le sniper, il s'appelle Interdiction ou RSA ou je ne sais quoi. Non mais attends, c'est scandaleux.
On va leur donner des idées de noms, c'est possible la prochaine fois, faut vraiment les aider, c'est pas vrai. Il y a par moment, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent dans leur studio, mon gars, ça doit faire grosse soirée. Ça, mais non, mais vraiment, comme on dit XK, mais c'est vraiment des alcooliques par moment, mais c'est un truc de malade, quoi. Oh! Allez, on anticipe. Ah non! Ah non! Ah! Regarde! Un kill comme ça, ah non, dommage. Après, je voulais jeter mon tomahawk. Et en fait, non! Un kill à l'arbalète, un kill. Merde, j'ai oublié le. À la baïonnette, un kill au tomahawk. Enfin, vous m'avez compris, en gros, et un kill avec les corchards, tout ça pour que ça fasse 4. Ça serait énorme comme clip. Je sais pas si ça a déjà été mis. Si ça a été mis, franchement, envoyez-moi le lien sur un commentaire dans la vidéo, ça ferait plaisir. Mais imaginez-vous le clip. Quelle serait votre réaction? Moi, personnellement, je pense que je jouirais comme une petite pucelle qui adore ça. Je pense. Oh! Ah! Frustré! Bon, il n'y aurait pas eu le coup de baïonnette, mais quand même! Ça aurait été énorme. Alors, par contre, oh putain, je viens de calculer que maintenant qu'il y avait le son de. Oh, je suis désolé, les gars. Alors, je sais pas si j'ai bloqué les trucs. Comment elle... Mais pourquoi t'as fait ça, Lucille? Je sais que tu auras la vidéo, mais pourquoi t'as fait ça? Où c'est qu'on change ça? Audio, c'est pas dans audio? Je sais pas, je suis désolé. Putain, je l'ai pas vu. Autant vous l'avez vu. Mais en fait, la manette elle parle. C'est dans ses paramètres, vu que c'est son compte. Ah, ben bravo, on joue avec ça, tu sais. Elle est un peu sourde des fois. Le mec, règlement de compte en direct. Non, mais bon, c'est con quoi. Je sais pas si j'entends en fait avec le casque que j'ai, j'entends vraiment pas du tout tout ce qui est extérieur quoi. D'ailleurs, je peux me faire cambrioler en direct, genre je m'en battrais les couilles, tu vois. Enfin, j'espère que je m'en battrais les couilles, non. Ça me ferait chier. Pour être honnête. Oh là là, j'ai anticipé. Allez! Dommage. J'aurais pu enchaîner. Mais il y a moyen! Il y a vraiment moyen de. La feed que j'ai dit là, il y aurait vraiment moyen d'enchaîner. Mais c'est clair. Hein. Allez, venez là. Ah, je bourrine! Non, mais non, mais t'es pas sérieux. Allez, Thomas, cross de map, je ne sais quoi. Allez, hop, hop, hop. On tire n'importe où. Ah, oh, dommage. J'aurais pu l'avoir. Eh! Hey, tout à l'heure, c'était mitigé, c'était un petit 18-18. Mais là, monsieur, on est sur un 26-13 quand même. C'est pas mal. Non, franchement. Non, non, j'ai fait un bon gameplay. Je suis content de moi. J'ai bien fait de rejouer Nuketon. Et puis, comme ça me permettrait aussi de parler un peu de Nuketon. Parce que c'est vrai que maintenant, Nuketon, si vous n'êtes pas au courant, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo dessus. Alors que je voulais en faire une dessus, même si. Je sais pas si il y a une vidéo que j'aime bien faire, mais tu sais qu'il y a un nouveau camouflage Nuketon. Enfin, il était déjà le camouflage Nuketon, mais qui était dispo à tout le monde, plus la map Nuketon. Ça fait carrément plaisir. Ça aussi, c'est des bonnes choses que font Call of Duty. Mais pour venir vite fait sur le marché noir, c'est. Non, c'est ridicule. T'as vu ce qu'a fait mon personnage? Non, ce n'est pas admissible de forcer les gens à acheter des codes points, mais hors de prix, mais hors de prix, mais vraiment hors de prix. Pour ne même pas être assuré d'avoir l'arme que tu veux quoi. Tu peux mettre 500 €, j'en suis sûr, que t'es même pas assuré de l'avoir. C'est que de la chance et c'est frustrant. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Mais alors que je veux dire, tout simplement, ceux qui aimeraient vraiment l'arme, tout simplement vous le mettez sur le marché, je sais pas, et on l'achète. Elle est pour 2-3 balles, allez, à la rigueur, mais ok, si on est chaud, on adore le jeu, ben vas-y, moi je l'achèterai, j'en ai rien à foutre, parce que j'adore le jeu. Je joue beaucoup à Call of Duty, donc j'investis là-dedans, y a pas de souci. Mais même pour les gars qui ont le Season Pass, tu dis, ils pourraient faire un petit avantage. Ils pourraient faire aussi des caisses genre spéciales où tu auras plus de chances de débloquer l'arbalète, plus de chances pour débloquer les armes de poing, plus de chances pour débloquer le sniper. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, il y a tellement de possibilités, putain! C'est chiant! Et je peux vous dire vraiment, ne pas avoir eu le sniper, l'arbalète, tout ça. Enfin, le sniper et l'arbalète, surtout le sniper, vraiment. Ça m'a vraiment. Mais putain, ça m'a dégoûté, j'avais même plus envie de jouer au jeu, mais vraiment. C'est pour vous dire, mais bon. Passons, c'est mon avis en tout cas, je trouve ça vraiment très con. Et est-ce qu'on l'ouvrait? Allez, on va l'ouvrir une petite caisse. Ça va, t'as pas joué depuis quelques jours, j'ai le droit d'ouvrir une caisse. Imagine, on tombe sur le sniper, imagine. Voilà, là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Mais LOL! Mais LOL! Mais voilà, Lulu. Je t'ai débloqué j'en ai fureur en live. Mais tu vois, c'est tellement aléatoire. Et mais putain, mais c'est. Enfin, moi je l'ai déjà, donc je m'en branle. Mais ça aurait été un sniper, ça aurait été la même. Ah putain, c'est drôle ce qui vient de se passer en live. Ah, c'est drôle. Ah, c'est vraiment drôle. Elle a des doublons. Ah, mais ça suffirait pas. Bref.
putain, épique fin de vidéo, vraiment épique fin de vidéo. Bon, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, la présentation de la Elixir Shadow, enfin, gameplay plutôt, histoire de jouer avec. Dites-moi si ça vous a intéressé parce que j'aime bien cette arme, même si elle est assez compliquée à jouer. Et je repique le compte à Lucille et je redébloquerai des nouvelles armes sur le marché d'or, voilà. Mais bon, enfin, je repense à ce que j'ai débloqué. Et en plus, elle, je crois pas qu'elle. Non, il me semble pas qu'elle. Elle me dit non, j'ai rien, etc. Je vais juste regarder. Ah non, c'est vraiment le seul cas là, quoi. Putain, tout ce qu'il y a en termes d'arbre blanche, quoi, c'est un truc de malade. Bref, voilà, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, les gars.